Eh bien, on s'excuse pour le son, malheureusement qu'il n'y ait plus le son du stream, c'est normal, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a branché son casque et du coup, on n'entend plus. Mais, c'est pas grave, tant pis, on va faire avec. Donc attention, ours contre Ken, ça promet du lourd. J'espère que vous êtes chaud, parce qu'attention, je parie malheureusement sur ours, car évidemment, nous n'allons pas parier. Même si Astrat a l'air quand même d'être un, vous voyez, il a l'air de bien quand même maîtriser son sujet. Je l'ai pu le voir un petit peu jouer NES, mais enfin, je l'ai surtout vu jouer Snake. Mais il a l'air quand même de bien tenir son NES, et malgré le fait que NES sur Ultimate NES soit devenu mauvais un petit peu, il a été un petit peu récupéré avec les debuffs. Donc, avec les buffs, pardon. Et donc, du coup, attention, le Shoryu qui a déjà monté à 96, à total de 96%, alors que Ours prend ses premiers pourcentages. Attention, Astrat. Astrat semble avoir des difficultés face à Ours. Je vais faire à chaque fois, je dirais Ours. Parce qu'évidemment, c'est Ours, voilà. Donc, évidemment, attention, Ours qui met des petits coups de taquet pour essayer d'edge guard, alors que le piqué fire qui ne fait rien puisqu'il n'atteint personne. Attention, le piqué fire. Ah, ouh! Le magnifique combat. Le magnifique coup qui est parti directement au sol. Attention, le Tatsumaki Senpo qui n'est pas passé. Attention, le Shoryu qui va peut-être connecter. Non, le Shoryu qui n'a pas connecté. Le Shoryu into Shoryu alors qu'il met des petits coups de taquet, des petits coups de pied subis sur un Mawashigiri, pardon. Excusez-moi, je connais un petit peu les termes. Nous avons évidemment, voilà, regardez ce petit coup de taquet suivi d'un Mawashigiri dans la bouche, le pied bouche, comme certains diraient, qui est aussi faisable avec Ganondorf, alors que dans son, attention, Oursusbeck qui tient les 50%, ouh, le Perfect Shield qui est bien passé, mais Oursusbeck qui monte déjà à 90%, qui a déjà retiré une vie à Astrat, alors qu'Ours n'est qu'à peine, même pas à 60%, il shield parfaitement au bon moment, il vient mettre des Mawashi du pied bouche parfaitement au bon moment, Ness va se faire refaire la tête au carré, il aura la tête ronde, il va finir par avoir la tête carrée, ce sera absolument incroyable. Alors qu'évidemment, Ours ne semble pas avoir de difficultés. Vous voyez que ses pourcentages montent très 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 doucement, évidemment. Alors que Ness pourtant n'a beaucoup de mal à faire la moindre combo et se fait déjà perdre encore sa vie sur un Shoryuken, évidemment. Le Shoryu, attention, le Piqué Fire qui va peut-être enchaîner sur un combo. Est-ce que Astrat va réussir à comboter? Non, malheureusement, 6%. Alors que pourtant, Ours est à 105% avec 3 vies. Mais est-ce que Ours va faire un BO3? Est-ce que Ours va réussir à rester en 3? Pardon, un BO3. Va réussir à garder ses 3 vies. Non, malheureusement, pour l'instant, il est à 105%. Il ne pourra pas faire le perfect. Il ne pourra pas avoir 0%. Mais on ne va pas demander ça non plus à Ours, qui est évidemment déjà, qui réussit à gagner sans perdre une vie. Néanmoins, Astrat ne se laisse pas avoir. Et malgré le 1-0 contre Astrat, évidemment, Astrat peut remonter. Car Astrat, je le sens chaud. Je le sens bouillonnant. Je sens qu'il veut sa revanche. Il veut revenir. Il veut faire perdre ce titan qui est Oursusbeck, qui n'a pour l'instant pas perdu, qui n'a presque rien perdu. Dommage qu'on n'entende pas le son du jeu, ça c'est malheureusement lié au casque. Il faudra peut-être que ce soit réglé, peut-être que nous arriverons à régler ça, mais pour l'instant, malheureusement, vous ne verrez que l'image. Mais au moins, vous aurez mon commentary à la place, mais j'entends Marcel Pignol. Tu ne pourras pas te pignoler sur des Shoryuken, malheureusement. Et ni même sur des Piqué Fire ou des Piqué Thunder. Je n'ai pas le nom du simple... Notre Albi. Attention, on est parti sur le deuxième match. Ah, Astrat qui a counter pick et qui va me faire changer puisque je dois vite mettre un rondoudou. Mais rondoudou est rond. Rondoudou est facile. C'est rond comme un ballon, rose, rose comme un bonbon. C'est rondoudou. Voilà. Et rondoudou que je ne trouve pas. Jellypuff que je ne trouve pas. Où est ce rondoudou? Je l'ai. C'est bon. Attention. Astrat, vous voyez qui a déjà monté ses pourcentages au moment où je suis revenu. C'est pile au bon moment. Ce n'est pas Jellypuff. C'est rondoudou. Voilà, alors que pourtant il a essayé d'endormir Ken, mais ça n'a pas fini. Peut-être qu'il va essayer de monter Ken rapidement à 100% et ensuite de faire le fameux Don't Be des enfers, vous savez, celui qui éjecte à 100%. Mais pour l'instant, malheureusement, il ne faut pas rester au-dessus de Ken parce que sinon ça va connecter immédiatement sur un Shoryuken, peut-être sur un autre Shoryuken. Alors qu'évidemment, Astrat prend son temps pour remonter sur la ledge, mais se fait tout de suite punir parce qu'évidemment, Ours l'attend, Ours est préparé, Ours est chaud. Ours ne peut pas, je ne pense pas qu'il puisse mettre Piqué Flash, merci. Le neutral B, oui, j'ai vu. Et donc, il y a déjà une vie de perdu de Astrat. Je ne pense pas que Ours puisse mettre j'ai oublié, malheureusement. Non, c'est... Tant pis, ce n'est pas grave, on passera. Donc, alors que Ours effectue des paris pour pouvoir se décaler un petit peu et ensuite mettre des coups, malheureusement, ça me bloque l'idée de ne pas savoir ce que j'ai. Donc, du coup, attention, le side B. Le don B qui est passé, qui a éjecté immédiatement Ours, qui est parti dans le décor droit en direction de la porte de la reine de Kalos.
Un Mawashigiri, voilà, je l'ai retrouvé, c'est un Mawashigiri. Je ne pense pas que Ours puisse mettre un Mawashigiri à Rondoudou, puisque Rondoudou est peut-être trop petit, mais peut-être qu'après sa hitbox le permet, ou la hitbox du pied lui permet. Alors que Ours retire sa deuxième vie à Astrat, va-t-il déjà faire le 2-0 si vite, en à peine une minute, pardon, en à peine deux minutes, ce serait vraiment ce ne serait pas impressionnant de la part de Ours, mais c'est quand même tout à fait impressionnant pour un niveau, je vous rappelle, d'un petit bar quand même qui ramène énormément de monde puisqu'on est 55 joueurs si on ne comptait pas les abandons évidemment, alors que Ours se prend des 45% et il monte, il a une vie d'écart évidemment, il peut se permettre de prendre des pourcentages contre Astrat qui reste évidemment chaud, qui reste la tête froide malgré que pourtant ils prennent des dégâts et qu'ils montent déjà presque à 75%. Attention, le Shoryu qui n'est pas passé, le deuxième Shoryu qui ne sait pas se lancer parce qu'évidemment il a tout de suite été counter. Astrat qui est, il faut savoir quand même, Rondoudou, Astrat qui profite d'un personnage très flottant mais qui se fait attention, counter sur la lait qui vient tout de suite sortir et qui venait pour l'envoyer loin dans la projection, mais il a permis de revenir. Pardon. Alors que je ne sais pas, il faudrait que je demande peut-être à Ours comment fonctionne. Ouh, et ouh, on a pu voir un Ken de près. On peut dire qu'il s'est fait Ken. Voilà. Ours qui revient à 100%, mais je pense que ça va être la fin de Astrat. Voilà, évidemment. C'était vu. Il l'a joué. C'est bien joué. C'est beau. C'était quand même un beau match d'un Rondoudou. C'est un BO3. Ce n'est pas fini, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir confirmation, je vous prie?